J'ai d'abord fait un stage à la Banque de France, 6 mois. À l'issue de ce stage, j'ai intégré CGI, où je suis consultant en compliance et financial. Mon parcours, il est plutôt atypique, en ce sens que moi, j'ai d'abord commencé en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit. J'ai d'abord fait un bac plus 4 à Abidjan avant de venir au niveau de la France pour continuer. Donc je reviens, je fais un parcours de finance et de comptabilité à la base. Donc je reviens ici pour le diplôme d'expertise comptable que j'achève avec le DSCG notamment. Et là, je trouve important de élargir un peu mon horizon avec un niveau business. Donc je recherche une école de commerce et c'est comme ça que je trouve Audencia dans son premier programme. Audencia parce que c'était d'abord Nantes et Nantes était une ville charmante qui ouvre de belles horizons. D'ailleurs, les Nantais et les Bretons sont reconnus pour être chaleureux. Et ensuite, Audencia parce que c'était l'une des écoles les mieux classées. J'ai fait 6 années d'études, c'est-à-dire 4 ans à Abidjan, 3 ans, disons 7, donc 3 ans en France avant de faire Audencia. Jamais un stage de haut niveau, jamais un CDI direct. Et là, après 6 mois de cours, avec des intervenants de qualité, des personnes qui t'apprennent à pouvoir te présenter, donc à pouvoir te vendre, tu arrives à avoir un stage à la Banque de France. Et après un stage à la Banque de France, tu intègres un gros cabinet de conseil comme CGI. Tout est dit là, en fait.